Shalom Alechem, on est dans Shabbat Shin Kavhet. On est dans la page Tav Kuf Lamed Bet. Chole Shed Bosakana, Ochel Beshabbat Tavshi Shin Bashel Yede Goy. Tzayr Levarech Kodem Achilato, Sharia Barachal Mitzad Atzmo U Shel Eter. Velo Neesar Ela Mipne Shin Yid Bashel Yede Goy. Aval Chole Shiyesh Bosakana, Ochel Davar Asu Mitzad Atzmo, Kin Vela Utrefa, Eno Mevarech Alav, Virkat Anehenin. Qui omnam a Torah itira lo le echol ma'achal asu nipne a sakana, aval le inyan bracha eno mevarech. Alors un cholé shen bo sakana, un cholé que lui qui n'a pas de danger de mort. Et lui qui mange une cuisson que le goy il a cuit Shabbat. Alors, il va me dire que c'est asu de manger, arrêt. Un goy que lui qui l'a cuit, c'est asu de manger, nachon. Mais la Torah, chachamim, ils t'ont permis. Mais là, le manger lui en lui-même, il n'est pas assourd. C'est allumer le feu. C'est rien que le fait qu'il a bichoulé goïm, chachamim, ils ont interdit voilà, bichoulé goïm. Nous, quelqu'un de Bari, il a le droit de manger Azov Shabbat. Non, non, il n'a pas le droit de manger. Il n'a pas le droit. Non, mais lui, ah. Le chachamim, il est autorisé parce qu'il est malade. Parce qu'il est malade, c'est un peu sa canakène. Alors, Emamou. Alors, les dégoïs, c'est moutard. Maintenant, Emamou, Emamou, ils t'ont dit ça, c'est moutard, ça, c'est assourd. Pourquoi chachamim, ils ont institué de ne pas boire? De ne pas boire du vin avec leur vin, stamienam, hein, pas yain de nissour, ce qu'ils font à Vodazara. Stam le vin, ou par exemple de l'huile. Avant c'était assour l'huile, maintenant c'est moutard, l'huile des goïs. Avant l'huile aussi c'était assour. Le pain du goï, pat balabait, le pain, pas du boulanger, le pain du. Balabait c'est assour. Pourquoi c'est assour? C'est aussi Mishum Khatnout, tout cela. De peur que le bonhomme, lui, là, il va bien boire ou il va bien manger. Il dit, ah, ta fille, hein? Et ça, c'est la fille d'un goy, chez Mishmor. Il va faire le mariage, va maintenant. Alors, Chachamim, ils ont interdit tout cela. Maintenant, ce juif-là, maintenant, il est malade. Aval Shein Bo Sakana, tu peux dire au goy. Et là, le juif que lui, il va manger, se manger. On parle que le manger, il est kasher. Là, tu dois faire la bracha. Ken, Shakol, Niam, Midvaro, Oboré, Minimizod, etc. Et. Et maintenant ce manger là il n'est pas interdit seulement parce que c'est le goy que lui qui l'a cuit, mais par contre un holé, un malade qui a un danger de mort, et là le docteur il a dit on est obligé de lui donner à manger cuit tous les jours frais. Alors maintenant qui c'est qui va cuire? C'est le goy. Mais non, il faut lui donner de la viande tarif. C'est ce que j'ai dit. Okay. La viande tarif. Alors, puisque maintenant c'est la viande et les tarifs, le Israël, lui, maintenant, il n'a pas le droit de faire la bracha. Parce que le manger en lui-même, il est tréfa. Même si un médecin, il nous dit de manger de la viande tarif, on va pas le faire. Non, c'est maintenant, il est malade, le bonhomme. Le bonhomme, il est malade. Il est malade, chez Eshbo Sakana. Puisque maintenant, chez Eshbo Sakana. Il faut qu'il y ait de la viande. Le docteur, il dit comme ça. Non, mais par exemple. Voilà, par exemple. C'est ça qu'ils font pour le guérir. Mais quand même, il n'a pas le droit de mévarer. Pourquoi il n'a pas le droit de mévarer? Parce que sauf se manger là maintenant, c'est très fort. Et quand même, beaucoup n'est pas d'accord avec. Qui emmena ma Torah et tira, puisque maintenant même que la Torah est a permis, elle a permis à lui de manger ce manger qu'il est interdit. Pourquoi? Parce que c'est un cholé shiyesh bo sakana, qu'il a un danger de mort. Aval, mais par contre, pour la bracha, il n'a pas le droit d'être mevarer. Achash ke'ev ve'oznav ad she'nechlav amenan kol gufo nafal mishkav. Un homme que lui, qui a mal aux oreilles. Et ça l'y a engendré, on dit. Engendré que lui, il est au lit. Maintenant, il est au lit, parmi nan, à cause de cela. Ofuato shisha meneke tachlov midadea halav le torah ozen. Et sa refoua pour le guérir. Il faut qu'une femme, elle prend de son, excusez-moi, de son lait, et elle lui verse dans son oreille. Est-ce que c'est la fois pour tout ça, pour l'œil, pour l'oreille? Oui, par exemple, pour l'œil, pour l'oreille. Et là, c'est quel? Parce que il a donné dans le monde entier, vous savez, tout, Shlomo HaMelech, il a écrit un livre, il y en a qui disent ça, Abraham Avinu, Shlomo HaMelech, il a écrit un livre, Refoua, Hezkiah HaMelech, il a pris, il a été gonèse, il a caché, personne ne sait où. Si maintenant quelqu'un était malade, toutes sortes de maladies, on ouvrait ce livre-là, on lui donnait le remède tout de suite. Il y a tout dans le monde entier. Comment ils ont trouvé le pénicilline, on dit, pénicilline? Pénicilline. Le cachet.
Et pénicilline. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est du pain qui a moisi. La pénicilline. Oui, pénicilline, voilà. Pénicilline, c'est du pain qui a moisi. Le docteur, il a fait taout. Il s'est trompé dans le remède, il a vu du pain moisi, etc. C'est devenu la pénicilline. Dans le monde entier, il y a les remèdes pour tout. Mais Hizkia Amelech, il a dit, écoute, si on va leur donner le remède pour tout, ils ne vont plus prier. Et là, voilà, la tfila. Elle est partie. On donne entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas... Donc, l'aide du femme, il est guéri, alors. Alors, l'aide du femme... Non, mais non, par exemple, le docteur, il sait, le docteur. On leur a donné... Torah, Natna Reshut, la refait, les rapotes. Mais c'est Natna Reshut. Elle a donné la permission au docteur, comme une fois le Chazonish, quand il vient vers le Chazonish. Et avant qu'il est venu vers le Chazonish, le docteur il a dit, écoute, il faut qu'on lui fait une opération dans son cerveau, mais 82%, il va être barmina lo alech et lo alenu, aveugle. Quoi? Aveugle. Aveugle. Alors, c'est à toi de décider. Il dit, merci docteur, donne-moi les examens, laisse-moi tranquille. Il dit, où tu vas? Et il a emmené vers le Chazonish. Le Chazonish, il a dit, tu dis à ce médecin que quand il fait l'opération, qu'il fait de ce côté et pas de ce côté. C'est-à-dire que quand il passe vers le cerveau et pas vers la tête, vers les yeux, comme ça, ta, par exemple. Il dit, d'accord. Il va vers le médecin, il dit, mon rave, il vous dit, quand vous allez faire cette opération, vous allez faire comme ça et comme ça et comme ça. Le docteur, professeur, il est venu, il a fermé sa clinique, il est parti vers le rave. Il va être allé voir le rave, le Chazonish à Bnei-Brak. Quel professeur celui-là? Qui c'est celui-là? Qui c'est? Il a pris d'où la médecine? Il est venu, il tape à la porte, Chazonish, tout d'un coup il voit un petit, comme ça, il est comme ça. Et professeur Chazonish, vous voulez? Si vous me cherchez, je suis là, je ne suis pas professeur. Il est de bonhomme, mais le professeur il est presque évanoui. Dis-moi, Zézé, qui c'est celui-là? Il s'est assis devant lui, il a parlé avec le Chazonish, il était par terre, ce professeur. Il a dit, des années, je me doutais, mais jamais je pensais de faire l'opération comme ça. Il a fait l'opération, le bonhomme, Baruch Hashem, il était... Il a guéri. Maintenant, ce professeur, Ken, dans sa clinique, il a mis la tumula du Chazonish. Alors là, il rentre, il dit, ah, c'est votre grand-père. Mais non, c'est pas mon grand-père, c'est un professeur professionnel de tout le monde entier. Okay. Alors maintenant, il y a une femme, qu'elle a son lait, on veut lui mettre dans l'oreille d'un homme Shabbat. Il y a des ailes, le bonhomme, lui, grâce à cela, il va se calmer. Feya noir, mekevo, marachem ishmor, il crie, il pleure, il a mal. Tu lui mets dans son oreille. Elle attire la sotken be Shabbat. On ne peut pas Shabbat, on n'a pas le droit d'autoriser ça. Kevan shahalifa, shahaliva. Puisque trait, pas la vache, la femme, trait la femme, que elle, même que ce trait, c'est issour. Melacha shenatzcha legouf, shetzcha legoufa, shechavim elea hatat. Tu as besoin du lait. C'est pas maintenant. Hein? C'est une Goya. Si c'est une Goya. Peu importe, Azma. Il n'y a pas d'histoire. Ouais. Non, attends, Nahon. Non. Mais non, c'est pour toi. On verra si c'est une Goya. On va pas poser. Le Shabbat, non? Non. C'est bonne Gela qui se dit. Elle est. La Malo. Elle, elle n'est pas la Goya de Shabbat. Samira. Samira, les Goy. On verra. Alors, regardez qu'est-ce qu'il dit, Laura. Le Rav dit comme ça. Il dit, puisque ça s'appelle Mechashitzra le Goufa, ça s'appelle Issour de la Torah. Et c'est Hayav Hatat. Aval im gadalakev meod, maintenant s'il a très 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 mal, Barminan. Mouta la sota chalival et jdechte nashim. Tu prends, il y a deux femmes. Et ces deux femmes, eux, ils sortent du lait de cette femme-là. Ça veut dire Shtaim Sheasaoua. Deux qui ont fait le travail Issour de la Torah. Ça descend en comme Issour de Rabbanan, comme ça. Dans son oreille,
Qui az nirshlam, ça c'est considéré comme shnaim shasawa upturim mina Torah, et c'est pas tour de la Torah. Quand deux ils font l'action, c'est pas tour de la Torah. Ve'en bezim mis isur el amide rabanan, et ça c'est asur reng de rabanan. Vim comme tsar, et puisque maintenant il y a tsar, tsar ça veut dire que lui qu'il peine, il a la peine. Shechala kol gufo lo gazur chachamim. Et les chachamim, ils n'ont pas interdit parce que lui, il a un tsar gadol. Et puisqu'il y a deux femmes qui font l'action, comme une fois, le rab, il a dit, pareil, Ken, un homme, il devait faire la piqûre. Il est obligé de faire la piqûre. Il fait la piqûre, mais que deux personnes y font la piqûre, pas toi seul. Ou par exemple, une femme, elle était obligée de sortir son lait pour son fils. Et maintenant, elle, c'est assourd de faire seule. Mais elle peut faire avec deux femmes. Non, si c'est le bébé qui tire, c'est boutard. On parle maintenant que elle sort le lait. Le petit, par exemple, il n'a pas de force dans les lèvres de sortir le lait. Fait comme ça, ça sent rien. Parce qu'il n'a pas suffisamment de force. Okay?